Allez affreux, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer quelque chose. Comment on fait un tapis de jeu avec ça. Ça va être en accéléré, je vous montre ça rapidos. Allez, à tout de suite. La peinture est finie, je vais vous montrer maintenant les résultats. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc on voit pas bien, je sais pas si on voit bien. Ouais, je vais essayer de faire un rasmote. Il y a beaucoup d'ombre. Hein. Voilà donc le marron, voilà le rendu de l'herbe. Voilà, je vais vous la montrer plus tard à plat. Vous allez voir le résultat un peu mieux. Donc tout de suite, après une bonne sueur, je vais montrer sur table ce que ça donne, faire bien à plat, vous allez voir le résultat. Donc voilà le résultat, en plein soleil. On va dézoomer. Voilà, donc là on voit bien, c'est de l'autre côté. Voilà, donc le rendu de la nappe. Bon, là vous voyez la table, donc celle-là fait 2,20 m par rapport à ce que je vous ai montré sur Facebook. Elle est plus grande. Elle est un poil plus chère, elle est 10 € de plus, mais avec ça, vous avez 1,70 m sur 2,20 m, c'est quand même une belle nappe. Donc voilà, donc on va voir à peu près ce que ça donne. On voit un peu hein, que ça fait... ça donne un bon rendu, moi je trouve. Vraiment bien. Donc vous avez vu pour la peinture, hein, vous mettez un peu de vert clair, de vert foncé, du marron ocre, comme ici. Voilà, on va essayer de pas avoir l'ombre de la caméra, voilà. Et du coup, voilà, vous avez une nappe pour à peu près 20 €, à peine un petit peu plus si vous voulez compter la peinture, mais vraiment, je peux utiliser beaucoup de peinture. Et vous avez une nappe qui fera l'affaire. Dessous, vous mettez des livres, ce que vous voulez pour faire des collines, pour faire des hauteurs.
Et voilà, vous avez une table de jeu. Et ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez vous amuser à rajouter ce genre de choses. Des pigments. Vous voyez, c'est la forme de poudre. Vous la mettez un peu dans un couvercle. Qu'est-ce que vous faites pour rendre un peu plus? Et bien, vous en balancez comme ça, un peu partout. Pas trop. Alors vous avez différentes couleurs, vous pouvez prendre ocre, ça c'est ocre, mais vous pouvez prendre du marron si vous voulez. Voilà. Et quand vous avez fini, vous secouez votre nappe. Et puis voilà, vous avez une nappe avec quelques petites taches de couleur. Allez les affreux, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai de l'ocre partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que quand je ferai d'autres genres de décors comme ça, je vous montrerai. Voilà, bah écoutez, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao les affreux.